Salut la famille, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. J'espère que l'année 2023 a très bien commencé pour vous. Moi personnellement, ça a assez bien commencé, beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est la présence du père aux Antilles, dans les familles aux Antilles. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? C'est parce que je constate autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines similitudes chez les pères antillais. Je vais tout simplement vous parler en vous disant ce que je pense. J'ai posé des questions à certaines personnes autour de moi qui m'ont donné leur avis aussi. Je vais vous parler de ça. J'ai vraiment envie que cette vidéo soit un débat. J'ai pas envie que vous pensiez que je suis en train d'affirmer quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je dis, vous trouvez que c'est vrai ou pas. Surtout, n'hésitez pas à me faire des critiques constructives. J'appuie sur le mot constructive. En tout cas, la famille, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à la partager, à m'écrire un petit commentaire. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve tout de suite après l'intro. La famille. Le père dans la famille antillaise, pour moi, c'est un personnage particulier. Je parle pas des nouveaux papas, je parle de nos papas. Vous savez, moi j'ai 32 ans, je parle de nos pères à nous, des pères de ceux qui ont la vingtaine, ceux qui ont la trentaine. Voilà, je parle de ces papas-là. Je précise bien ces papas-là parce que vers la fin de la vidéo, je vais aussi vous parler des nouveaux papas. Mais c'est-à-dire nous, des hommes de 30 ans qui sont papas aujourd'hui. Avant de comprendre certaines choses, on va remonter le temps. On va aller à l'époque de l'esclavage. Il faut savoir que les esclaves n'avaient pas de notion ou de terme vraiment constructif de famille. Je ne suis pas en train de vous dire que les mamans n'aimaient pas les enfants, que les papas n'aimaient pas les enfants. Mais c'est qu'il n'y avait pas une construction à l'époque de l'esclavage. Il n'y avait pas une construction de la famille. Le père, la mère et l'enfant ou les enfants. Pourquoi? Parce que souvent, les enfants étaient enlevés à leur mère et les pères étaient en train de travailler dans un coin et les mères travaillaient dans un autre coin. Les familles n'étaient jamais ensemble, elles étaient séparées. Donc, cette construction n'existait pas. C'est après l'abolition de l'esclavage, il y a eu quand même une construction de la famille, la mère, le père et les enfants, parce que du coup les familles n'étaient plus séparées et c'est à partir de là que les gens ont essayé de construire quelque chose. Même si c'est vrai que souvent le père n'était pas présent parce qu'il devait aller chercher du travail pour nourrir sa famille. Le père était là, la mère savait c'était qui son mari, l'enfant savait c'était qui son père, mais il ne voyait pas son père de la même façon qu'il voyait la mère. Donc il y avait une distance entre le père et les enfants. Papa partait et souvent, ils partaient loin pour pouvoir trouver un travail, pour ensuite donner de l'argent à leur femme pour que la femme puisse s'occuper de l'enfant. Donc, même quand cette notion de famille a commencé à naître, le rapprochement familial n'était pas toujours là. Quelques années après, enfin plutôt plusieurs années après, il y a eu la création des allocations familiales. Mais pour que la mère puisse pouvoir toucher de l'argent pour élever ses enfants, il fallait que ça soit une femme seule. Dans les couples noirs, parce que c'est souvent les couples noirs qui étaient dans la misère, dans la pauvreté. Et souvent, il y avait des enquêtes. Donc, du coup, même si la femme n'était pas séparée de son mari, le mari n'était pas dans le foyer. Parce qu'il ne fallait pas qu'on voit la femme avec le mari ou que la femme fasse des choses avec son mari. Parce que sinon, on lui enlevait l'allocation. Depuis l'époque de l'esclavage et même après l'esclavage, la présence du père a toujours été, entre guillemets, une certaine problématique. Même si le père devait être là, pour certaines raisons, très souvent financières, parce que quand il partait très loin ou bien quand il partait, c'était pour travailler et donner de l'argent à sa famille. Et même quand il pouvait être présent, finalement, il n'était plus trop présent puisque pour que la femme puisse pouvoir toucher des aides, du coup, le père devait pas être là. Dès la base de la création de la famille dans le peuple noir, la présence du père était toujours problématique. Donc le père qui devait être présent, au final, ne l'était pas vraiment, volontairement ou involontairement. On dit que la mère, c'est le poteau mitant de la famille antillaise. C'est la personne qui c'est le chef. La mère, c'est le boss de la famille antillaise. La mère, aux Antilles, c'est elle qui va s'occuper des enfants, faire la cuisine, faire le ménage, gérer la maison, tout faire.
C'est elle qui va tout faire. Le père, il va être présent, mais plus dans des tâches bricolage, jardinage, maçonnerie. Il va juste être là de cette façon et il va aussi ramener l'argent souvent. Il va souvent ramener l'argent. Mais très rares sont les papas aux Antilles qui sont entre guillemets présents pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire, les papas vont aider la mère financièrement, vont l'aider dans des tâches un petit peu plus difficiles, mais ils vont pas spécialement être présents dans l'éducation que la mère donne à ses enfants. Par contre, les pères vont représenter une certaine autorité, dans le sens où lorsque l'enfant fait une bêtise, le papa va venir, il va gronder l'enfant, il va punir l'enfant. Chez nous, les Antillais, on nous punit pas, on nous fracasse la gueule. Donc du coup, aux yeux de l'enfant, le père représente cette autorité 100 fois plus dure que la mère. Et j'ai l'impression aussi que souvent, nous, les enfants, quand je dis les enfants, je parle de nous aussi, on ne peut pas spécialement toujours compter sur notre père. Moi, j'ai des amis où le papa est là, mais on dirait qu'il n'est pas là en fait. Il est juste présent, il vient manger. Ensuite, il part, il va dans son jardin, il va faire sa maçonnerie, mais ils ne sont pas ensemble. Et ça, j'ai l'impression que c'est très fréquent dans nos familles antillaises. Le père, il est juste là, mais il n'est pas là. Il vient manger, il crie ou il dit quand quelque chose ne va pas, mais il n'y a pas de tendresse ou de mots d'amour ou d'affection envers ses enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'aime pas sa femme et qu'il n'aime pas ses enfants. C'est juste qu'il ne le montre pas. Par contre, j'ai des fois l'impression que les papas, quand c'est des amis, les tontons qui viennent prendre du rhum, qui viennent prendre un petit punch à la maison, ah là, par contre, ils sont... Ah là, tu vas les voir sourire, tu vas les voir, ils vont dire à leur femme de ramener le punch, de ramener tout ce qu'il faut. Ah là, ils sont contents. J'ai même des fois l'impression qu'un papa antillais qui est présent va faire 100 fois plus de choses pour ses amis, pour les tontons, ses cousins que pour sa famille. C'est l'impression que j'ai. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une généralité. C'est l'impression que j'ai quand je regarde autour de moi et quand je regarde dans ma famille. Alors là, c'est le cas où le père est là. Mais il y a des fois, le père n'est même pas là. Il est parti. Et ça, c'est très fréquent dans nos familles antillaises. Le père n'est plus là. Donc souvent, le père va être remplacé par un beau-père. Le beau-père va aider à ramener l'argent, il va soutenir la maman. Mais il n'y aura pas spécialement toujours la tendresse, les câlins, les bisous qu'une mère pourrait éventuellement donner à ses enfants. Même si les mamans antillaises, au niveau de câlins, bisous, des fois, c'est un peu compliqué aussi. Hein. Il faut avouer que je pense que nos mamans antillaises, ce n'est pas les meilleures. Hein, pour dire « je t'aime », pour dire « mon chéri d'amour de mon cœur ». Voilà, je pense que c'est pas les meilleurs non plus. Après, beaucoup de gens vont vous dire qu'il y a beaucoup de délinquance, beaucoup de problèmes au niveau de la jeunesse en Guadeloupe. Par exemple, les jeunes ne font rien, mais ça c'est souvent parce que le père n'est pas là. Je suis pas très d'accord avec ça. Je suis pas très d'accord avec ça parce que moi, par exemple, mon père n'a jamais été là. Ma mère m'a élevé toute seule et j'ai jamais eu envie d'être délinquant dans la rue, en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, leur mère les a élevés toutes seules et ils n'ont pas fini délinquant dans la rue. Donc, je pense que c'est juste une histoire d'environnement familial et d'éducation, en fait. C'est pas parce que le père n'est pas là que l'enfant devient délinquant. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Et là, maintenant, par contre, j'ai vraiment envie de parler des nouveaux papas. Notre génération, j'ai l'impression qu'on est plus présent avec nos enfants. Moi, j'ai des amis qui sont déjà papas. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais ils essayent d'être là. Et j'ai l'impression que notre génération va peut-être changer un peu les choses. Voilà, moi, je sais personnellement que mon père n'était pas présent. Mon père, c'est mon père. Mon géniteur, c'est quelqu'un qui est absent. Par contre, je pourrais dire qu'il m'a donné un truc. Il m'a donné l'envie de ne pas être comme lui. Si demain, j'ai un enfant, l'envie de ne pas être comme mon père me permettra peut-être, sans doute, d'être un bon père. Voilà. La famille, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Je vais me faire un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. À plus !